Je vous salue les parents. Et parce que c'est après cette chanson-là, on va chanter ça. Bonsoir, on va prophète. En tout cas, ce chien veut dire, en tout cas, Dieu, si tu as demandé quelque chose à Dieu, il fait pour toi. C'est ma fille. Elle avait la sorcellerie. Vraiment, elle ne pouvait pas se contenir. C'est la sorcellerie qui la contrôle même. Elle est là, tu sens en elle-même qu'elle n'est pas en elle. Qu'elle veut manger. En tout cas, même dans plein genou, même elle assise comme ça, tu sais qu'elle est en train de pratiquer. Vraiment, en tout cas, c'est un esprit, la sorcellerie qui a fatigué ma vie. Il est passé chez les prophètes. Il est passé chez les pasteurs. En tout cas, partout où on dit à grand croisade, et à prier, je m'en vais en disant que ma vie va être délivrée. C'est là que ça devient plus encore. Vraiment, ça m'a touché, mais il a appelé mes parents au village. Et ils m'ont dit même de venir avec ma fille au village, on allait chez les féticheurs. C'est ça, il a dit, moi là, j'adore Jésus. Je sais bien que c'est Jésus qui peut délivrer ma vie. Mais je ne sais pas aussi où j'allais rentrer, juste pour délivrer ma vie. Parce que partout où on s'en va, c'est zéro. Donc j'étais assis, j'étais abattu. C'est ça, il y a une maman de l'église. Elle est venue avec sa maman à Givo ici. Elle voit vraiment que l'église où elle est venue, là, qu'il y a Dieu là-bas. Que c'est chez papa prophète. Crasso. Donc, elle m'a dit que ma fille, je vais t'accompagner. Mais, j'ai problème de là. Elle dit, maman, il n'y a pas de problème. Moi, elle paye ton transport et puis elle est partie. C'est pourquoi on est venu ici. Tu as tué combien? Papa, je... J'ai tué 4 300 personnes. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit qu'elle a tué 4 300 personnes. 4 millions. Sérieux? Alors, je veux savoir comment tu tues les gens. Jusqu'à ce que ça atteigne 4 300. Comment? Papa, je tue d'autres par accident. Je tue d'autres par flèche. Je tue d'autres par. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle tue d'autres personnes par accident. Elle tue d'autres par flèche. Et d'autres par empoisonnement. Flèche là, c'est comment? Maintenant, flèche là, tu fais comment? Flèche là, tu fais comment? Flèche là, papa, je lance, je ouvre mes doigts là, sont des flèches, je ouvre mes jambes quand je fais comme ça. Elle dit quoi? Elle dit, ces 5 doigts là, ce sont des flèches. Donc, quand elle veut faire sortir les flèches là, elle ouvre ses jambes. Ses jambes. Maman, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. C'est moi, j'ai détruit tes parents autour de toi. J'ai gâté tout dans ta vie à cause de ma méchanceté. Je ne voulais même pas te voir même avancer. Je te demande pardon. Pardonne-moi, maman. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Je te demande pardon, maman. Pardonne-moi, maman. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Maman, pardonne-moi. Si tu as été sincère, Dieu t'a pardonné. Il faut donner ta vie à Jésus. Celui qui te sauve, c'est le sauveur. Lève ta main. Je commande à l'esprit de la sorcellerie. Comme la distance n'est pas une barrière, cette prière te localise depuis Divo. Et je commande à l'esprit de te lâcher. Je te commande de libérer sa vie. Maintenant. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Et effectivement, en tout cas, papa, vous avez prié pour ma fille. Ça va chez ma fille. Parce qu'au moment où on venait ici, mais elle dit qu'elle touche son corps, elle ne sent pas que c'est quoi elle est en train de toucher. Mais le même jour vous avez prié pour elle, elle dit vraiment, maman, je touche mon corps, je sens que je suis devenu l'homme, hein. Je touche mon corps. Je dis, hey, gloire à Jésus. C'est pourquoi je voulais vous dire grandement merci. En tout cas, je dis merci à Jésus.
En tout cas, qu'il bénisse vos ministères encore de plus encore. Amen. On va l'écouter elle-même. Bon, papa, avant de parler, moi aussi, je vais donner un chant. Ah bon? Pasteur Serge, la chanson, là, vous avez retenu le refrain. Vous avez retenu. Est-ce que vous avez oublié ou bien vous avez retenu? Non, papa, on va nous apprendre ça. Okay. Dame Noël, oh, c'est beau. Dame Noël, oh, c'est beau. Qui Noël, Yesu Noël, ma. Dame Noël, oh, c'est beau. Yesu Noël, ma. Dame Noël, oh, c'est beau. Yahweh Noël, ma. Dame Noël, oh, c'est beau. Yesu Noël, ma. Dame Noël, oh, c'est beau. Merci à Dieu et merci à Papa Prophète. Au moment où je quittais, où on est quitté, je n'ai pas pu venir. Au moment où je quittais ce grand pour venir. Alors j'étais animée, j'étais possédée par la sorcellerie. Moi-même, je n'arrivais pas à prendre contrôle de moi-même. Souvent, je suis assise pour moi-même et puis je pratique la sorcellerie. En tout cas, on a passé dans des coins. Maman m'a envoyé dans des coins de prière. Elle m'a envoyé partout. Mais ça ne va toujours pas. Quand je confesse, les gars se fâchent contre moi. À ceux qui m'ont prié pour moi, se fâchent contre moi à chaque fois. Donc ça veut dire que c'était devenu mélangé, souci pour moi. Tous les villages, même au courant que je suis sorcière. Quelqu'un a un problème, on vient, c'est moi. On dit c'est moi. Il y a un problème, on vient, on dit c'est moi. Donc depuis qu'on est arrivé ici, papa prophète Crasso a prié pour moi avec l'aide de Dieu, il a été délivré. Amen. En tout cas, avant même mon corps, je ne sentais pas. Mais depuis, il a été délivré. Quand je touche mon corps, je sais même qu'il est en train de me toucher. Je sais ça. Donc je dis merci beaucoup à papa prophète Crasso et aussi merci à l'aide de Dieu de m'avoir délivré de ce lourd fardeau. Amen. Merci beaucoup.